Si tu veux, c'est la fin, sans trop pour une nouvelle vidéo Lego tuto aujourd'hui. Donc une nouvelle, encore une fois, un type de vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir la figurine de l'UCS X-Wing, donc sortie l'année dernière. Donc X-Wing UCS en date, le tout dernier. Je vais vous montrer comment l'obtenir à moindre coût, puisqu'effectivement, la figurine est donc servie dans le set, eh bien, à 240 euros. La figurine chiffre un peu tout de même. Donc là, je vais vous montrer comment l'obtenir pour une vingtaine d'euros. Vous allez tout d'abord avoir besoin du 75-390, le robot de Luke Skywalker X-Wing, juste ici, donc qui est sorti tout récemment en juin 2024. Mais vous allez avoir aussi besoin, eh bien, tout simplement du porte-clés qui prend la figurine, eh bien, de l'UCS, justement, juste ici, donc présent. Donc, vous aurez besoin de ces deux-là. Si vous prenez tout plein pot, en sachant que le porte-clés, vous êtes obligé, puisque c'est une exclusivité Lego Store, eh bien, vous aurez besoin de 15,99€ plus 5,99€. Soit on va tabler sur, du coup, les 22 euros. J'arrondis à 20 parce que celui-ci, ce sera sûr que vous arrivez à choper environ 10-11 euros. Donc voilà, de ce point de vue-là, on est bon. Donc pour trouver eh bien, la figurine de l'UCS, vous aurez besoin de la figurine présente dans le set. Vous retirez les accessoires. Vous retirez les bras. Attention à ne pas casser. Eh bien, le torse, sinon ça retirera forcément de la valeur à votre figurine. Ensuite, vous allez devoir séparer les jambes des hanches. Comme ceci. Voilà. Histoire de dire, hein, évidemment. Tac. Ensuite, vous prenez, tac, les bras. Ensuite, vous allez aussi, donc sur le porte-clés, séparer les jambes, puisque ceux-ci ne sont pas reliés en fait par la chaîne qui est donc dans le porte-clés. Donc ça, ça vous va très bien. Tac. Comme ceci, hein, vous voyez, on va venir, donc comme je vous l'ai dit, séparer le tout. Voilà. Maintenant que le porte-clés est défait, ainsi que la figurine, on va pouvoir ramener. Eh bien, les détails du porte-clés sur la figurine que nous avons. Et voilà, nous avons la figurine de l'UCS X-Wing. Tac, voilà. Pour beaucoup moins cher que ce que nous proposait eh bien, le set. Et si vous voulez un porte-clés, eh bien, non plus comme ça, mais bel et bien avec des détails, eh bien, vous pouvez toujours remettre les autres éléments. Ça ne vous empêche pas. Tac, voilà. Vous aurez juste la figurine du méca. Donc, la figurine du méca, juste ici, en porte-clés. Et vous aurez votre figurine, eh bien, de pilote X-Wing UCS, eh bien, avec vous, avec de quoi jouer. Et ça, c'est parfait. Vous leur mettez donc vos accessoires. Voilà, parfait. Avec de magnifiques impressions donc sur le torse. Enfin, sur les bras et les jambes. Et vous voilà avec votre figurine X-Wing toute prête. Alors, je tiens quand même à créditer. Voilà, c'est pas moi. Ça vient d'Instagram. Je sais plus exactement qui. J'ai plus le nom. J'ai pas enregistré. J'ai enregistré l'idée. Je me suis dit, bon, je vais quand même vous la repartager à mon tour. À moindre échelle, on va pas se mentir. Voilà, j'avais vu ça tourner. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc voilà, je voulais quand même tester. C'est ce qui s'est arrivé. Voilà, j'ai la figurine du CS X-Wing sans trop de problèmes. Et moi, ça me va très bien. Donc voilà un petit peu donc ma vidéo tuto. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Enfin, j'en fais le post communautaire. À vous abonner, à liker cette vidéo et ce post. Et voilà, bah du coup, c'était Dame sur la pub qui vous dit bye bye!